Et salut à tous et bienvenue pour cette 23e partie de Fallout 3 en ma bonne compagnie. Alors je suis extrêmement déçu, je vous avais déjà enregistré la 23e et la 24e partie, j'allais attaquer la 25e partie là tout de suite à l'instant même. Sauf que je me suis rendu compte que lorsque j'étais en train de parler, parce que j'étais en train de bâiller, parce que je suis un peu fatigué, que le micro ne se déclenchait pas sur le TS, je me suis dit ah. Et j'ai regardé mon micro et ah, j'avais désactivé le micro. Donc voilà, deux vidéos enregistrées pour rien. Alors la quête d'Oasis malheureusement est déjà faite. Donc je vais quand même vous montrer l'endroit. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Et donc voilà, en gros, il y a les arbrophiles qui me demandent de venir les aider, machin. Et voilà, donc on a trois choix. Soit faire pousser encore plus Oasis, soit restreindre la poussée d'Oasis pour pas que ça se propage dans les terres désolées pour garder les secrets. Soit faire ce que Harold nous demande de faire, de le tuer, parce qu'il en a marre de rester enraciné là depuis 20 ans. Et voilà, il a vécu d'une chose, c'est de crever. Ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc vous avez vu Harold. Et voilà, je suis désolé, vraiment. Bon, après, il s'est pas passé grand-chose dans cette vidéo-là. Après, je cherchais à trouver la confrérie des dissidents. Donc, on va faire vite fait le chemin que j'ai déjà fait, charger. Voilà, et voilà. Donc, je vais aller chercher l'arme unique Lance-Miss. Hein. Et donc j'en profite donc voilà justement d'aller les voir à eux pour carte du monde ça me plaît pour pouvoir leur récupérer tout ce qui était leur équipement. Donc qui dit récupérer leur équipement c'est que d'abord je vais me vider le mien. Mais me vider correctement le mien parce que je vais avoir une tonne de choses à récupérer. En gros ils m'ont proposé une mission à faire, leur rapporter de l'équipement, lourd hein, du laser ou de l'armure assistée ou même d'équipement de base, mais voilà, eux ce qu'ils préfèrent c'est d'avoir du lourd. Mais malheureusement, ça rapporte rien en bonus. Je voulais justement voir si avec ce truc-là, ça allait me permettre de... Oh, j'ai deux armes cela, dis donc. De récupérer leur lance-missiles sans avoir à les tuer. Bon, malheureusement, apparemment, non. Donc, je vais être obligé de les tuer. Putain, j'en ai bien du fusil calibre 12 de combat. Je vais essayer d'en revendre quelques-uns, quand même, hein. Je crois que j'ai un lance-missile là, non? Pro, ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai pas un lance-missile à réparer? Non, il est tout neuf. Bah, d'ailleurs, on va le prendre, lui, on va le poser. Livre d'avant-guerre, on pose. La mine, on peut la garder. Le mini-nuke, on peut le poser. Ça, c'est bon. Kakula Quantum, on peut poser. Ça, on garde, on garde. Trailer, ça, on peut poser. Ça, on peut poser. Mais je vais pas le poser là. Je vais plutôt le poser dans l'autre. Elle me l'a posé où? Ah, prototype, ouais, donc CMP. Sève de boulot, poids 1. Pff, bon, je vais le poser à côté, c'est un truc unique. Épingle de cheveux, machin, machin, machin. À l'arme de vampire, je vais pouvoir la poser aussi. Le loplaque, le confrère de l'acier, je m'en fous. Les Fatman, je vais la réparer. Eugène, je vais pouvoir le poser. C'est pas pour ce que je me sers. Voilà. Ah, je suis trop lourd. Je n'arrive plus à courir. Au fait, d'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai enfin réussi à rétablir ma résolution. C'est que, voilà, je commençais à vraiment en avoir marre que le jeu plante pour rien. J'ai essayé de le lancer deux fois tout à l'heure pour commencer à vous faire les vidéos. Et sur les deux fois que je l'ai lancé, je veux dire, ne serait-ce qu'au démarrage, il commençait déjà à planter, donc ça m'a saoulé, mais grave. Donc du coup, bientôt, peut-être 1544 de dégâts, quoi. C'est abusé. Donc voilà, ça m'a bien saoulé, donc j'ai voulu réinstaller le patch non officiel qui justement a corrigé tous ces bugs-là. Et j'ai enfin réussi à retrouver cette bonne vieille résolution 1980p par 1800. Et donc du coup, ben voilà, on retrouve enfin quelque chose de propre, correct et vraiment visible sans que ça fasse mal aux yeux. Donc toi, je te pose, je te dis... Ça, c'est ça. Donc la lame de vampire, on pose. Ça, on pose. Sève de boulot, on pose. Et ça, c'est pas pour le poids que ça pèse, ça peut être toujours utile. Donc j'ai combien en poids sur moi? J'ai 229, c'est normal, faut aussi que je pose. Mais il peut pas se...
pousser, lui, là, qui reste bloqué au milieu pour rien. Normalement, il est censé bouger dans toute la maison, et à chaque fois, il se retrouve de mon... Voilà, comme ça, moi, déjà, tu me fais plus chier, hein. Alors, le Fatman, on le pose. Ah. Oh non. Oh non. On pose. Voilà, j'ai tout à reposer. J'appuie sur Q comme un couillon, et j'ai tout récupéré. Garde, ça on pose, ça on pose, ça on garde, 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 on garde, on pose, on garde, hop. Ah, j'ai encore un Gatling laser, ah, c'est intéressant. Oh. J'ai que 2775 capsules, je suis vraiment pas riche dans cette partie. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc ça j'ai dit je vais garder, le laser je pose, ça je vais garder parce que je vais réparer ma Gatling laser. Voilà, ça je vais le lire comme ça ce sera fait. Le lance-missile tout cassé je le pose, le tout neuf je vais le revendre. Ouais, ouais, je crois que le lance-missile on va le récupérer tout propre, donc de toute façon ça servira à rien de prendre quelque chose pour réparer. Ça je pose, mine à capsule je pose, mine à fragmentation j'en garde une. Mine impulsion, je pose tout. Mini nuke, je pose. Les missiles, je pose. De toute façon, je n'ai pas besoin. Ça pèse rien, mais je n'ai pas besoin. Ah, nuke Aquila, c'est bon, j'ai un entier. Je vais quand même les poser. Je vais pas faire la mission de suite. Je pose. Putain, mais j'en ai plein. J'en ai bien les pistolets mitrailleurs 10 mm, dis donc. Ah, j'ai pas réparé ma lame du vampire. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'elle était neuve, non? Je sais plus. La super masse, je pose. Et on arrive à 217, ce qui prouve que j'ai encore quelque chose de trop sur moi. Alors que tout à l'heure j'étais à 197. Ah oui, c'est la Gatling. Ouais. Ça, 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 ça. Ah, 199, ça ira très bien. 197, c'est parfait. Alors ça. Ça, alors hop. C'est là que je voulais comme arme, c'est parfait. Donc on va aller voir le Doc Church, en espérant qu'il a encore des packs à me vendre. Hey Doc! Bah alors, c'est pas le moment de dormir, bordel! Nom de Dieu. Alors... ça, je te le revends. Il est où mon lance-missile? Il est là, je te le revends aussi. Et c'est tout? Et je te dois encore 301 capsules. Oh, voilà. Bon, ben, ce sera tout, hein. Ça ira bien, tant pis. Bon. C'est fini? Ouais, c'est fini, c'est bon, je me casse. Allez. Fox, j'aime toujours, c'est super. Voilà, ça paraît très catholique pour pouvoir sortir, mais il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est fait. Alors, donc je disais, hop, je vais aller là. Alors, bon, déjà, apparemment, je peux pas rentrer comme ça. C'est parti. Voilà. Commencer à faire du gros carnage. Bon, faut que ça va pas aimer à la longue. Je peux récupérer tes munitions, ce serait sympa aussi. Et je l'ai tué où, ton copain? Il y en a un qui était... ah, il est là.
Donc je peux porter pas mal d'armure, hein. Oh! Ça me plaît, ça, dis donc! On va à la mégatonne. On va récupérer notre petit casque de la T51B. Alors ça, grosse et bonne nouvelle, ça, dis donc. Ah, ça me plaît, cette histoire. Je vais pas les tuer pour rien, eux. C'est dommage, c'est des gentils, mais... Enfin, c'est pas des super gros méchants non plus, mais... Oh non, j'en ai marre. Oh là là, chargé. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais poser le casque Tesla. Alors, on va réparer notre casque. Voilà. Tout beau, tout propre. Je savais pas du tout que ça pouvait se réparer avec cette armure là. Peut-être que ça peut se réparer aussi avec les autres de la confrérie du coup. Ou même ceux de l'enclave. J'ai jamais essayé, j'étais persuadé qu'on pouvait pas. Parce que dans Fallout New Vegas on peut pas. Mais quand on après on peut obtenir une compétence, je crois quand on a réparation en 90, c'est un truc du style. On peut récupérer une compétence qui fait que... Ah, une tête qui roule. Si on a un objet qui est similaire, bah, on peut se réparer le truc quand même quoi. Donc par exemple avec une armure en métal, bah, on peut réparer une armure assistée. Ce qui est assez sympathique. Ou par exemple vous avez un fusil de chasse, bah, vous pouvez réparer votre fusil calibre 12. Sauf que le fusil calibre 12 de New Vegas est beaucoup 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 moins puissant que celui-ci. Ah, oh, t'as fini de faire ah et tu me donnes ton truc s'il te plaît. Donc ça va, apparemment j'ai plus la... plus le karma qui descend même si je suis les autres, donc apparemment voilà, je devais avoir le karma qui descendait pour les grands chefs, donc ce qu'on dénonce là apparemment c'est que des soldats, donc c'est pas bien grave si je tue que des soldats. Hein. Donc celui que vous avez entendu, bah, c'est les ventreurs. Hein. Il va être 9 en permanence mon truc, dis donc, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Voilà. Donc l'unique calculé à Canton, pas besoin. Ah oh, ben il me restait plus qu'une cartouche, dis donc. Non, je peux pas le prendre. Toilette. De toute façon, il me semble que c'est pas par là. Parce que. Pour tout vous avouer, c'est la première fois que je viens dans cette zone-là. Ok, ça c'était fort intéressant. Alors, bon, donc... On va s'allumer la petite chupiote. Et on va commencer à descendre dans les souterrains. C'est là où il y a le lance-missile qui nous intéresse. Bon. Alors, on va essayer de le déverrouiller par là, hein.
Je coupe les bras et tout ça. Neuf. Et lui tout neuf aussi. Voilà, ça c'est parfait. Faire gaffe, parce qu'ils ont quand même des lance-missiles. Hein. Ils n'hésiteront pas à se servir. D'accord, ok. Trouver une armure de cuir alors que les mecs sont tous en armure assistée, ça paraît logique. C'est bon. Oh, la vitesse à laquelle ça tombe, quoi. Armure assistée ou pas, ils se font défoncer. C'était trop facile. Ouais, t'as trop raison. Ah, une petite laser Gatling, yeah! Oh yeah! Ça, ça... Urgence... Réparation... C'est... Oh! Quoi qui m'a tiré dessus, là? Ah, lui là-haut. Ah mais yo, ça vient d'où, ça, con? Macagé. Et le lance-missile, il est derrière. Ça, c'est le minigun. Ah, je suis trop lourd. Ah, voilà le lance-missile. Ça. Voilà. Voilà. Ah, là, c'est lui l'alien. Ouh, c'est gentil ça. Du mini nuke, le fusil de placement, on va prendre. Ça. Oh non, j'ai pas quelque chose à dire, mais pousse-toi, putain, t'es gros quoi. Voilà, alors on va réparer notre équipement pour s'alléger un peu. Ah! Ah, ma tête elle a pas pris avec les roquettes. Eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? D'habitude, voilà, je prends le lance-missile et je me casse, hein. Je ne cherche pas à me faire chier. Si j'avais su, j'aurais pas acheté autant de Steam Pack au doc. Hein. Parce que là, je trouve vraiment de quoi faire. Hein. Pourquoi il gueule, lui? Ah, il y a du monde en haut? Oh, il a vu du monde, lui. En effet, il y a un point rouge, mais je le vois pas, le monsieur. Ah, on va monter de toute façon tout à l'heure, hein. T'inquiète pas, Fox. Si, si, il faudrait qu'il bouge, justement. C'est ça, on le voit pas, hein. S'il... copain, il est là. Alors. Ah, je suis sur 30 kilos de trop, quoi. Je suis toujours trop lourd. 13 kilos de trop. Ah, putain.
Ah, et bah, tiens, je suis tout juste au niveau du poil, hein. C'est pas une tourelle. Si, c'est une tourelle. C'est une tourelle qui a bug. Tout simplement, c'est une tourelle qui a bug. Donc on va pas passer par là où je suis arrivé, on va essayer de passer par l'autre côté, voir si on n'a pas encore un peu du carnage à faire. Ah, porte fermée. Ah mais c'est l'armure de reconnaissance, donc ça m'intéresse pas. La clé d'entrepôt, bah on en a plus besoin, on l'a déjà déverrouillée. Et nous revoici à l'extérieur. Bon, ça c'est fait. Alors, on va aller à Megatown. On va poser tout ce qu'on a à poser. Parce que du coup, on est vachement surchargé. Vous avez rendu un sacré service à cette. J'aurais voulu me servir de mon minigun pour l'user juste un peu pour réparer Eugène avec. Mais c'est pas grave. On va le poser dans mon truc. Parce que j'ai pas envie de créer de gros soucis à Megatown. Juste parce que je m'en suis servi comme ça à l'aveuglette. Alors ça je te pose, ça je te pose. Par contre c'est bon de pouvoir réparer mes armures avec ça. Celui-là, l'alien, j'irai le poser dans l'autre truc. Donc Lance-Smith il est pas à fond. Toi tu vas venir, tu vas me réparer à fond. Voilà, donc le problème c'est que maintenant on se retrouve avec plus rien pour réparer notre vengeance. Il est là. Et donc du 220. Ça fait pas de petits dégâts. C'est sympa. Et voilà. Allez, tout ça c'est fait. On va essayer de se trouver une petite quéquette à faire en 7 minutes qui nous reste. Même si je ne vois pas trop ce que je peux faire en 7 minutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Fort Indépendance. Comme il y avait un coin que je n'avais pas encore visité. On va essayer de visiter, on va essayer de voir ce que c'est. Ah, c'est ici que les raiders peuvent avoir la cellule alien ou voir même la lance de feu, il me semble. Puissance, la vengeance, mais c'est d'une précision, mais c'est vraiment mortel quoi, c'est abusé. Ah, je suis vraiment un tank là, c'est vraiment impressionnant quoi. Pourquoi est-ce qu'il pose un piège comme ça aussi visible que ça? J'ai juste envie de voir ce que c'est que ce piège. Ah ah! Alors que c'est à résister à l'explosion de la bagnole, là. Nous, à la proximité que c'était, ça va se casser la gueule, voilà. Ah, et si on allait voir à l'intérieur, ce que ça donne, tiens. Ah, y'a plein de munitions et tout. Faut dire non.
Que des missions utiles en plus, dis donc. Voilà, ça s'est ouvert. Continue à aller voir ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Quoi, tu disais? Excuse-moi. Alors ça. Toi, en gros, tu passais ton temps à garder de l'eau sale. Bon. Chacun ses hobbies, on va dire. Hein. Ah. Et donc là, on va ressortir ici. Bon, ok. Qu'est-ce que j'y gagne de ressortir là? Ouais, comment ça manque un peu de munitions, hein, c'est dommage parce que je l'adore vraiment cette arme. C'est bien la première fois que je m'en sers à ce point parce que d'habitude. Pardon, excusez-moi. Bon sang, voilà. C'est bien la première fois parce que d'habitude, ouais, je la garde de côté parce que je sais que justement on peut pas trop la réparer ni rien, donc voilà. Donc on va changer d'arme. Non, on va pas prendre ça. On va pas prendre ça. Ça. Plus. Voilà. Donc il commence à être fatigué lui, hein. Ouais. Allez, on va prendre ça. Qui est? Ah, l'enclave. Cool. Ça, je vais pouvoir avoir encore de l'armure Tesla. Ah, un lance-flamme. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Burnmaster Reparation. Burnmaster à fond. Enfin, 239, je pense que non, il manque un chouï. Je pense que ça doit être plutôt 240. 239, ça me paraît pas logique. Bon, 240 sur 300, je crois qu'on va être bien chargé. Allez, on va essayer encore de trouver un nouvel petit endroit pour s'amuser un peu. Je suis où sur la carte? Ah non, on va continuer à fouiller là-bas. Pardon pour le coup dans le micro. Pas l'air d'y avoir grand chose. Pas de petits points sur la carte pour découvrir des villes. Ah, ça y est, un petit 1. Un petit point. Donc on va y aller pour cette fin de vidéo, voir un peu ce qui se passe. Donc bon, ben, pour moi, ça va me faire enregistrer 5 vidéos aujourd'hui, parce que du coup, comme je vous avais dit, j'avais déjà enregistré la 23 et la 24. Et donc du coup, là, je me retrouve à réenregistrer la 23. Ah, il y a du monde là-haut. Ça, c'est de l'enclave, ça. Ouais. Bon, ils vont pas faire chier bien longtemps. Burnmaster!
chier, toi. Voilà. Néo. C'est un kiné, non? Parce que bien, ce que t'es, ils sont vraiment beaucoup équipés en armure Tesla. Hein. Franchement, c'est au top, ça. Hein. Ça me plaît, cette histoire. Alors, l'armure Tesla, certes, elle ne me sert plus à rien. Hein. De toute façon, je suis déjà fond en arme à énergie. C'est juste que je la trouve trop belle, c'est tout. C'est vraiment juste ça, quoi. Donc, bon, ben, finalement, voilà, il y avait que ça. On va continuer à marcher vers notre ville inconnue. Les gars, je viens de bouffer du faucheur au petit-déj, là. Vous êtes sûr que vous voulez m'attaquer? Vous êtes tarés que vous êtes. Alors ça, comme ça fait beaucoup que j'en ai. Ah, je vais la réparer, vu que le terrible fusil, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Ah, je vais où? Droite ou gauche? Gauche ou droite? Allez, gauche. Tout qu'on répond du droite. Tant pis pour vous, vous avez perdu. Avec les armes uniques, mais sérieux quoi, ils partent à une vitesse, les ennemis, c'est abusé. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Hop. Ah, c'est pas le truc chinois ça? Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. C'est un avant-poste chinois ça. Non, l'usine redresseur. Non, ça me parle pas, l'usine redresseur. Je vais me faire l'autre là-haut. On va se caler devant l'usine redresseur. Et on fera ça pour la prochaine vidéo. Ah putain, mais quel couillon alors! Voilà. Marion Cotillard. Alors voilà. Oh, je vois que péter. Bon. Voilà. Donc, on va aller. Oh. Bon. Voilà. Là, la voiture va faire boum. Voilà, comme pour image de fin, ce sera parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Donc on va, pour la prochaine vidéo, voir l'usine redresseur, voir un peu ce qu'il y a dedans, parce que je n'y suis jamais allé. Donc on va faire ça en mode découverte. Oui, je vais découvrir des parties du jeu tout comme vous. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura bien plu. Petit coup de soin au passage. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à tout le monde, et amusez-vous bien.